Opérations, mais certaines d'entre elles se ressemblent. Tout d'abord, peut-être secrétaire de séance, c'est le tour d'Olivier, qui prend cette mission avec, avec plaisir et enthousiasme. Merci, merci Olivier. Voilà. Alors nous avons évidemment comme d'ordinaire le procès-verbal du bureau communautaire. Il s'était déroulé le 5 octobre dernier. Est-ce qu'il y a sur ce procès-verbal des remarques? Je n'en vois pas. Je soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Ensuite, nous avons une convention relative au fonctionnement de la Maison de la Justice et du Droit de Sénart qui est située sur Savigny-le-Temple. Nous avons eu l'occasion avec Guy Geoffroy et avec Patrick de rencontrer la procureure et la présidente du tribunal de grande instance qui attache beaucoup d'importance à cette structure qu'il convient évidemment de caler à travers une convention qui précise les rôles de chacun et notamment de la communauté d'agglomération qui met à disposition et prend en charge le traitement de deux agents administratifs et qui prend en charge le traitement de deux stagiaires avocats et qui verse à la commune de Savigny une contribution forfaitaire annuelle de 12 000 euros. Voilà l'objet de la délibération. En contrepartie, bien sûr, le ministère de la Justice s'engage à prendre un certain nombre de mesures, notamment le traitement du greffier, extrêmement important sur une structure comme celle-là, puisque c'est vraiment la référence juridique. Oui, Grégory. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. C'est effectivement un des services extrêmement importants pour nos populations. Ces permanences de juristes spécialisés dans le droit de la famille, droit des étrangers, droit des locataires, qui sont sujets des marchands de sommeil ou des propriétaires peu scrupuleux sur notre territoire, droit du travail, mais aussi, on le sait, tous des spécialistes du secteur notarié. Bref, il y a beaucoup d'accompagnement dans ces maisons de la justice et du droit, tout comme dans les PADM, les points d'accès au droit et à la médiation, qui sont des services publics essentiels pour les habitants de notre territoire, et des communes d'Évry-Courcouronne, de Grigny, Savigny-le-Temple, Réaumoissy ou Ris-Orangis. Nous savons l'importance pour les populations de ce secteur, et ce n'est pas un hasard si notre territoire est maillé d'équipements de cette nature, des équipements nombreux et de plus en plus fréquentés par nos populations. Pour autant, nous savons la mise à disposition de locaux, la participation des communes dans ces structures coûte cher. La délibération de ce soir témoigne de l'effort considérable qu'il est demandé aux puissances publiques. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de mise à disposition d'agents, de locaux et de subventions. Aussi, comme pour les ASL, dont on a parlé au dernier bureau communautaire, il me paraît peut-être intéressant de préciser la cartographie à l'échelle de notre territoire de ces lieux, de ressources d'aide, d'écoute, d'accompagnement pour nos populations, de constituer un réseau à l'échelle de notre agglomération en s'appuyant sur le maillage territorial de Seine-et-Marne et de l'Essonne, et peut-être aussi de considérer un appui en fonctionnement à l'échelle de notre territoire communautaire sur cette question essentielle. Et donc, la convention dont on discute ce soir, valant pour 2020, 2021, 2022, peut-être pourrions-nous mettre les prochaines semaines, les prochains mois, à profit pour discuter ensemble, collectivement, de la manière dont notre agglomération peut traiter de ce sujet essentiel. Ok, je pense que la dimension réseau nous enrichit et je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement une rencontre entre les différentes maisons de la justice et du droit pour peut-être monter collectivement en qualité et regarder les questions que tu évoquais. Après, quand j'entends ces questions-là, j'ai toujours en tête, je suis désolé, parce que je sors de réunions budgétaires, où il nous faut trouver 15 millions d'euros, donc je me dis oulala, mais je comprends tout à fait la demande et il faut la regarder. Je regarde Patrick, puisque c'est sur son domaine de compétences, et je pense qu'il faut effectivement qu'on crée ce réseau pour en trouver toutes les synergies et se poser toutes les questions, même si je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on aboutira évidemment sur le plan budgétaire, sur le réseau et sur la qualité, on le fera.
Merci Grégory de ton intervention. Sur cette délibération, pas de remarques, je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est une délibération relative à la régie du plan. René ? René Zégouf, c'est moi. Oui. Non, en remplacement de René, que je vous prie de bien vouloir excuser. Donc, effectivement, un point sur le plan qui a répondu à un appel à projet, à initiative commune d'une association qui s'appelle Technopole, qui est une association, j'ai regardé sur Internet, je ne connaissais pas, je vous avoue, une association de défense, de reconnaissance et de promotion des cultures, des arts et des musiques électroniques en lien avec la Villette à Paris, pour relancer notamment les activités culturelles post-Covid. Et dans ce cadre-là, le plan pour plusieurs spectacles qui ont eu lieu le 18, 24 et 25 septembre, notamment Isole le 18 et les Têtes Raides qui sont déjà venus plusieurs fois au plan le 20 septembre, ont postulé donc à cet appel à projet. L'idée est donc de pouvoir conventionner avec la Villette pour pouvoir toucher cette subvention à hauteur de 8000 euros qui va donc payer en partie les spectacles qui ont eu lieu au plan. Voilà. Merci Mehdi Rétoré. Voilà, sur cette délibération, des questions, des remarques ? Oui, Julien ? Ah. Je ne prends pas part au vote. Ok, pour des raisons habituelles. Voilà. Abstention, opposition, je vous remercie. Eh bien, Mehdi Rétoré peut continuer avec... Alors là, ce serait avec ma casquette Mehdi Zégouf, puisqu'on est sur le patrimoine. Vous savez qu'a eu lieu la semaine dernière la célébration autour des 50 ans de la cité administrative d'Évry-Courcouronnes, qui avait été inaugurée en novembre 71 par le président Pompidou. Et dans ce cadre, pour celles et ceux qui étaient, il y avait toute une journée de célébration, et notamment en matinée, avant le dévoilement de la plaque qui renomme le boulevard de France, qui se situe devant la cité administrative, boulevard de France Georges Pompidou, donc en hommage au président qui a inauguré la cité administrative, il y a eu une présentation d'œuvres réalisées par des élèves de différents établissements scolaires du département et notamment de trois classes, de trois établissements de Grand Paris Sud, des œuvres réalisées avec des artistes locaux qui avaient pour lien les unes avec les autres, le thème de la fraternité, évidemment, et de la République. Ces œuvres ont été présentées à cette occasion, et l'objet de cette délibération est de passer une convention avec la DSDEN pour pouvoir participer financièrement à cette opération. Et donc, on vous propose de voter à hauteur de 5 000 euros. Voilà. Voilà, merci Mehdi. Pour ces 50 ans, on aura l'occasion de fêter les 50 ans de Sénart en 2023. Donc, voilà. Abstention, opposition, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit du maintien. Alors, je vais prendre les délibérations que Stéphane devait prendre. Il est non pas souffrant, mais empêché, puisque un de ses enfants est Covid, et donc, enfin, Covid. Enfin, en tous les cas, il est obligé de rester avec ses enfants, c'est plutôt ça, donc on l'excuse évidemment. Comme j'excuse Aurélie Gros qui vient de m'envoyer un SMS, qui elle-même est aussi avec son garçon pour des sujets de santé. Alors, maintien de garantie d'emprunt du groupement des associations partenaires, j'en dis pas plus, puisque les garanties, on est maintenant familier avec ces dispositifs-là, il s'agit seulement de reconduire. Donc, y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Je n'en vois pas et je vous remercie. Délibération suivante, là, il s'agit plus d'aménagement et notamment de l'hippodrome avec un avenant numéro 4 à la convention d'intervention foncière conclue entre les différentes communes concernées, Bondoux, Frisorangis et l'agglomération, avec l'établissement public foncier d'Île-de-France qui a racheté la totalité du périmètre. L'EPFIF a donc racheté la totalité du périmètre. En attendant évidemment que notre projet soit totalement finalisé, et il nous faut quasiment tous les ans proroger cette convention pour éviter évidemment de n'avoir à racheter ces terrains, puisqu'il s'agit à la fois du terrain de l'hippodrome et du terrain LU, pour un montant de 23 millions d'euros. Merci à l'EPFIF. Voilà, sur cette délibération. Oui, Grégory. Court mot.
pour ouvrir peut-être une réflexion, parce que il paraît utile que nous puissions prochainement peut-être nous interroger sur notre méthode de portage foncier. Nous avons sur ce site en particulier éprouvé la fragilité d'un projet pourtant porté politiquement, pourtant porté et de manière très puissante par notre administration communautaire, un projet labellisé d'intérêt national par l'État, et qui malgré cela est tombé en carafe du jour au lendemain de manière brutale et unilatérale. Et donc nous savons qu'en dépit d'un, y compris quand l'État est à nos côtés, quand il est même demandeur, puisque c'était l'État qui était porteur du projet de grand stade sur ce secteur, eh bien les dossiers sont toujours très difficiles à mener au bout, très fragiles. Et donc, quand la collectivité porte le foncier, évidemment, elle supporte l'ensemble des risques. Et donc, si nous avions dû, à l'époque, faire appel à l'EPFIF, qui est un partenaire puissant et essentiel pour notre territoire, je pense qu'il faudrait s'interroger sur les risques, en réalité, sur la collectivité de portage de tel sur ce modèle, si les projets venaient à tomber. Et peut-être que nous devrions attendre de l'État, solliciter de l'État lui-même, qu'il soit beaucoup plus volontaire, beaucoup plus à nos côtés, qu'il participe, lui, au portage d'un certain nombre de fonciers sur des terrains de développement. Il y en a beaucoup sur notre agglomération, ce qui montre son dynamisme. Mais peut-être revoir ce modèle. Le risque est fort pour notre territoire si les choses tombent en carafe, et il faut bien réfléchir aux conséquences et se protéger au maximum sur ces questions. C'est une question que nous avons, que nous travaillons sur le site de Villaroche, où la même question va se poser, avec là pour le coup une échéance qui est incertaine, c'est-à-dire le portage peut-être de 3 jours comme de 30 ans. Et évidemment, pour autant, le seul bras armé aujourd'hui, à l'échelle régionale en tout cas, en capacité d'acheter des terrains, c'est bien l'EPFIF. Mais ce qu'il nous faut négocier, c'est que l'État et la région acceptent que l'EPFIF porte ses fonciers tant que le territoire n'aboutit pas à un projet, considérant que sur ces deux projets, je parle de Villaroche et de l'Hippodrome, nous sommes sur des projets d'ampleur nationale. Donc c'est effectivement cette discussion-là qu'il faut qu'on ait. Et les PPA sont évidemment les outils certainement appropriés pour engager ces discussions. Oui, Jean-Baptiste ? Oui, sur le portage foncier, ça représente un coût non négligeable pour la communauté d'agglomération, puisque le coût par an du portage foncier, je dis ça de mémoire, c'est 700 000 euros. 800 000. 800 000, bon. Donc, voilà, il y a une réflexion à avoir sur, effectivement, ce portage, parce que sur 10 ans, ça fait 8 millions. Voilà, donc c'est pas une somme négligeable. C'est pas le portage, c'est le gardiennage, oui, gardiennage, entretien. Oui, parce qu'en plus, la gestion du site. Voilà, en plus, le portage. Oui, c'est effectivement les frais de gardiennage. Donc voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir, parce que si effectivement ça le terrain n'est pas vendu, ben, à un moment donné, tout ça va être récupéré par l'aglo, avec là, pour le coup, les frais de portage qui s'accumulent chaque année. Voilà, donc, je suis assez d'accord avec toi, Grégory, sur ce point-là. Voilà, sur cette délibération, abstention, opposition, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de la ZAC des haies blanches au Coudray Monceau. Il s'agit d'un avenant numéro 6 au traité qu'il convient d'approuver. Il s'agit simplement de la prolonger d'un an de manière à ce que nous puissions conclure avec l'aménageur de la ZAC des haies blanches et ainsi clôturer cette ZAC qui n'est pas terminée, puisqu'il reste encore quelques rétrocessions foncières qui n'ont pas été effectuées. Sur cette délibération, pas de remarques, abstention, opposition. Je vous remercie. ZAC des Zonettes à Évry-Courcouronnes, avec là aussi un avenant. Un avenant qu'il traite de différents points. D'abord, mettre à jour les termes du traité pour prendre en compte la cession de la concession d'aménagement
à la SPLAIN, donc c'était GPA précédemment, la prorogation de la durée de 5 ans de la concession, donc à la SPLAIN, la modification du montant des charges de fonctionnement de l'aménageur imputé au compte de l'opération, donc rémunération fixée à 430 000 euros pour la SPLAIN, modification des modalités de financement et mise à jour de l'annexe relative au bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie. Donc c'est le fait de confier évidemment à la SPLAIN l'objet de cet avenant. Voilà, sur cette délibération, pas de remarques, abstention, opposition, je vous remercie. Toujours sur le même thème, mais il s'agit là de la ZAC de l'écoquartier du Val de Ris à Ris-Orangis, avec un avenant numéro 6 au traité de concession d'aménagement à conclure avec Grand Paris Aménagement. Donc là, nous sommes plus proches du but, mais il est nécessaire pour autant qu'il y ait un avenant numéro 6, de manière à prolonger là aussi d'une année supplémentaire le traité de concession d'aménagement, afin de permettre l'achèvement de l'opération, les dernières cessions et rétrocessions à entreprendre, la participation du concédant, c'est-à-dire de l'agglomération, à l'équilibre de l'opération à hauteur de 120 000 euros, la cession ensuite de deux parcelles à l'euro symbolique à la commune de Ris-Orangis. Donc voilà les quatre objets de cet avenant numéro 6 sur cette ZAC de l'écoquartier du Val à Ris. Je soumets à votre approbation, abstention, opposition. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit des ZAC des portes de Bondoufle du lotissement du Grand Noyer, et il s'agit de la cession au profit de la SPLAIN de la parcelle d'une superficie d'un peu plus de 1000 mètres carrés, désaffectation et classement. Voilà. 50 euros hors taxe du mètre carré, soit 57 100 euros hors taxe. Voilà sur cette délibération. Pas de remarques, abstention, opposition. Je vous remercie. Délibération suivante, toujours de même nature. Il s'agit là de la ZAC Canal Europe Les Horizons à Évry-Courcouronnes, avec la vente d'un terrain au profit de Grand Paris Aménagement. Il s'agit d'un terrain de 115 mètres carrés sur la parcelle AN130 au prix de 1 euro. Voilà, donc c'est des délibérations de régularisation plus qu'autre chose. Sur cette délibération, pas de remarques, abstention, opposition. Délibération suivante, il s'agit de la zone industrielle de Savigny-le-Temple et de la cession au profit de la SCI Savigny-Monnaie de la parcelle d'une superficie d'un peu plus de 3000 m2 allée du cobalt et rue du nickel. Et il s'agit de la désaffecter et de la déclasser pour être en capacité de la céder au prix de 75 euros hors taxe du mètre carré, soit 228 600 euros hors taxe. Voilà sur cette délibération. Pas de remarques, abstention, opposition. Je vous remercie. Délibération suivante, Olivier. Il s'agit de la réalisation d'un centre opérationnel de bus site du Bois Bailleul. C'est une délibération que nous avions déjà prise, mais sur lequel, après négociation avec Île-de-France Mobilité, il nous faut la reprendre pour une légère diminution. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur l'objet même, enfin sur le sujet de la délibération, c'est la construction de ce centre opérationnel, mais plutôt sur le montant de la transaction qui en découlait et qui datait du 18 mai 2021. Île-de-France Mobilité a souhaité revenir sur les négociations qui avaient eu lieu, afin de se rapprocher du montant estimé par le service de domaine, parce qu'à l'époque, le prix de cession avait été largement supérieur à l'estimation des domaines. Et comme Île-de-France Mobilité est aussi soumise au cadre réglementaire de ces estimations des domaines, et que le prix était bien supérieur à 10% de plus que ce que les domaines avaient estimé, voilà, ils ont souhaité revenir sur cela. Donc après une négociation, nous nous sommes mis d'accord avec Île-de-France Mobilité pour une cession
à un montant de 4 494 891,50 €, soit l'avis de domaine majoré de 10%. Je vous fais grâce de toutes les dénominations des parcelles qui sont l'objet de cette cession. Et voilà, simplement, je vous demande d'autoriser la signature de l'acte de vente, si vous en êtes d'accord, bien évidemment. Merci Olivier. En sommes-nous d'accord ? Abstention ? Opposition ? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est un avenant numéro 1 à la convention tripartite pour la rétrocession des emprises foncières et des équipements publics de la ZAC du Mont-Blanc à Savigny-le-Temple. Il s'agit de quatre parcelles et il convient évidemment de les délimiter par un avenant de manière à pouvoir engager la rétrocession avec le PA Sénart et la commune de Savigny-le-Temple. Voilà, sur cette délibération, pas de remarques, je soumets à votre approbation, abstention, opposition. Je vous remercie. Délibération suivante, deux délibérations en faveur du parc des copropriétés dégradées, comme on dit. Donc là, il s'agit d'une intervention communautaire en faveur du parc sur la copropriété du Clos des Honnêtes à Évry-Courcouronnes, donc convention à conclure avec l'Agence nationale de l'habitat et la commune. Il s'agit donc de formaliser cette convention qui sera conclue pour une période de 5 ans. La communauté d'agglomération Grand Paris Sud s'engageant notamment à assurer la cohérence avec les autres interventions sur les copropriétés ainsi que le futur PLH en cours d'élaboration et de financer dans le cadre de ces dotations budgétaires l'ingénierie du suivi animation, étant précisé que le reste à charge pour le PCI après financement des partenaires est estimé à 87 000 euros. Voilà, nous avons deux opérations qui sont de niveau national et donc financiées massivement, notamment la seconde sur Grigny, par l'ANA, mais pour autant, évidemment, il nous faut passer les délibérations pour conventionné sur ces deux opérations, l'une sur Évry et l'autre sur Grigny. Voilà donc pour celle d'Évry, sachant qu'on est sur un système que nous allons, qu'il est proposé ensuite d'abandonner, compte tenu des coûts évidemment très importants que l'agglomération ne serait pas en capacité de financer sur la durée pour toutes les copropriétés dégradées. Donc l'ingénierie, oui, les financements autres, ça n'est pas possible. Donc on est sur les deux opérations et elles sont encore une fois de niveau national. Donc voilà sur Évry. Je n'ai pas examiné le sujet, mais ça peut être intéressant, même s'il n'y a pas de financement de l'agglo, qu'on puisse activer dans différentes communes ce dispositif qui permet d'obtenir d'autres financements du département, de l'ANA, pour lequel les communes pourraient aussi abonder, donc sans qu'il y ait de participation de la communauté d'agglo. Parce que c'était pas mal qu'il y ait une coordination comme ça au niveau de l'agglo. Voilà, Oui, tout à fait, une ingénierie. Profiter de l'ingénierie de l'agglomération. Je regarde Christophe, il me dit oui, Christophe ? Oui, il dit oui. Donc il a dit oui, Christophe a dit oui. Voilà. Ok, donc Évry-Courcouronnes, abstention, opposition, je vous remercie. Délibération suivante, donc c'est la même, mais là pour la copropriété Grigny 2, avec pour le coup un soutien de l'ANA qui est absolument massif, et c'est tant mieux. Voilà, la délibération est un peu plus longue parce qu'elle le nécessite, mais elle reprend évidemment les mêmes choses. Voilà, et elle s'intègre dans la mise en œuvre du plan de sauvegarde 2014-2023 de la CoPro qui a été validé, y compris par l'État, bien sûr. Sur cette délib, pas de remarques. Je soumets à votre approbation. Abstention, opposition, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de la création d'un protocole d'accord transactionnel pour une passerelle, Karl. Oui, donc là nous sommes
à Évry-Courcouronnes. Donc, il s'agit d'un protocole transactionnel pour construire une parcelle au niveau du secteur des miroirs à Évry-Courcouronnes, donc pour un montant de 10 millions d'euros, 10 325 000 euros, 976 TTC. Donc, il s'agit, vous le verrez, nous allons traiter plusieurs protocoles transactionnels ce soir, d'attribuer donc ce protocole au groupement Sogea. Donc, pour mémoire, donc cette société a fait donc évaluer des coûts supplémentaires suite à la crise sanitaire. Nous avons été obligés d'arrêter les travaux de cette société, et donc l'ensemble des demandes d'indemnisation formulées par à l'intention du maître d'ouvrage s'élevait à la somme de 47 147 euros hors taxes. Et donc nos services ont élaboré ce protocole en contrepartie donc de règlement d'une somme de 23 477 euros, donc qui serait réglé par la communauté d'agglomération à la société Sogea, qui se déclare entièrement indemnisée donc des diverses charges financières qui seront supportées par cette société. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver ce protocole d'accord transactionnel et de le conclure avec la société Sogea d'Île-de-France et d'en autoriser la signature. Voilà, merci Karl. Pas de remarques, abstention, proposition. Je vous remercie. Délibération suivante, toujours Karl, il s'agit de coordination de travaux à Grigny. Donc là, il s'agit de... Nous sommes maintenant... Nous avons quitté Évry, nous sommes dans le cœur de Grigny, hein, au niveau du parking Surcouf, là, du square Surcouf à Grigny. Donc là, on a eu plusieurs problèmes. Donc là, il y a une société qui a été défaillante, une entreprise qui a fragilisé les piliers d'un parking sur lequel nous travaillons. Et parallèlement, les syndicats de copropriété devaient réaliser des travaux d'urgence au niveau des bâtiments. Et donc nous devons établir deux protocoles transactionnels donc qui sont évalués d'un montant total de 36 960 euros. Donc il y aura 16 170 euros à verser à la société ATB dans le cadre d'exécution d'un marché, parce que cette société, du fait de la fragilisation du parking, de la dalle du parking, elle ne pourra pas passer sur ce parking avec des véhicules. Donc il y a un surcoût qui est lié au transfert des matériaux, parce qu'elle va devoir transférer les matériaux au pied des bâtiments à pied. Et donc il y a un deuxième protocole d'un montant de 20 790 euros aussi à verser à la même société, donc pour permettre l'exécution de ces travaux et de permettre... Donc vous voyez, il y a deux travaux qui doivent s'exécuter donc dans des délais concomitants. Donc c'est ce qui occasionne ce surcoût au niveau des travaux de ce parking, au niveau de Surcouf à Grigny. Donc il vous est proposé d'établir avec chacune des copropriétés et la société ATB de formaliser cette indemnisation qui permettra de la poursuite des travaux qui sont concomitants. Merci Karl. Pas de remarques, abstention, opposition. Je vous remercie. Karl, toujours, et deux délibérations sur le groupe scolaire Saint-Exupéry, bien connu de Dominique. Donc là, nous sommes à Saint-Pierre-du-Péré. Là, nous venons d'inaugurer pour la rentrée le groupe scolaire. Et compte tenu vous le verrez dans les deux protocoles, le protocole qui va suivre aussi, nous avons dû arrêter les travaux à cause de la crise sanitaire. Et donc il y a une entreprise, la société Sèche, donc qui a réclamé à l'agglomération donc un montant de préjudice qui a été évalué à donc la somme de 71 191 euros hors taxes. Donc ça, c'est ce que demandait la société Sèche, et suite aux négociations et à l'examen de la demande de cette société, il vous est proposé de l'indemniser donc pour un montant de 37 260 euros au titre de la prolongation
des travaux qui ont été établis suite à la crise sanitaire, et d'un montant de 33 931 euros qui correspondent à une indemnisation au titre de la perte d'exploitation. Donc la communauté d'agglomération a refusé de prendre à sa charge les demandes de cette société. Donc, et donc il vous est proposé de lui régler la somme de 37 260 euros au lieu des 71 191 euros qui avaient été demandés initialement. Et donc en contrepartie, la société SEJ se déclare intégralement indemnisée des diverses charges financières supportées donc, par elle du fait des difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'exécution des travaux pendant la crise sanitaire. Merci Karl. Abstention, opposition, je vous remercie. Toujours le groupe scolaire Saint-Exupéry. Donc là, on est toujours à Saint-Exupéry. Donc là, il s'agit de la société ATEX qui a réalisé des travaux de plomberie, sanitaire et chauffage. Et de la même manière, donc, cette société a réclamé, en raison du confinement et de la mise en place de travaux supplémentaires et de la réorganisation de ses plannings, elle demandait une somme de totale de 152 380 euros. Donc, il pouvait s'analyser de la manière suivante. Donc des surcoûts qui étaient liés à la suspension du chantier pour un montant de 6 900 euros, des surcoûts liés à une première prolongation de délai pour un montant de 123 651 euros, des surcoûts liés à une nouvelle prolongation de délai de plus de 1,5 mois pour un montant de 21 820 euros. Donc, suite aux analyses de nos services, des chefs de projet, et des mémoires qui ont été présentées par cette société, il vous est proposé donc de l'indemniser d'un montant de 123 651 euros, donc qui se répartissent suivant la répartition suivante, donc 31 061 euros au titre du marché de plomberie et d'équipement sanitaire, 92 590 euros au titre du marché de chauffage. Et donc cette somme est réputée inclure toutes les sommes réclamées par la société ATEX au titre de la période du premier confinement qui allait du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 et de la prolongation des délais d'exécution de ces deux marchés dans le cadre des travaux de construction de ce groupe scolaire que nous avons pu tout de même inaugurer avant la rentrée des classes. Voilà, je vous ai proposé d'approuver ce protocole d'accord transactionnel. Merci Karl. Alain ? Oui, non. À la lecture des délibérations, je voulais juste savoir si on avait fait une analyse du risque global de tout ce que pouvaient nous coûter tous les différents chantiers, parce qu'on ne se parle pas de petites sommes quand même. Et on voit que ce sont des montants importants qui s'additionnent. Il me semble qu'on en a déjà passé lors d'un récent bureau communautaire. Sans en être sûr, mais voilà, est-ce qu'on estime qu'on a encore beaucoup de chantiers sur lesquels on va être pénalisé de cette façon ? Oui, bien, pour votre information, là, ce soir, nous allons voir 4 protocoles transactionnels, mais nos services en ont examiné 17, parce qu'il y a eu 17 chantiers où il y a eu des transformations dues par le Grand Paris Sud qui a voulu modifier les chantiers, soit ça a été dû à la crise sanitaire. Sur ces 17 chantiers, 17 protocoles, ça représente à peu près 2 millions d'euros. Et nos services ont réussi à négocier la somme de 725 000 euros. Donc, on a pu réaliser une économie de 1 574 000 euros sur la totalité des protocoles transactionnels. Donc, effectivement, on a un bilan de tous les protocoles transactionnels qu'on ne va pas examiner ce soir. Mais si ça peut répondre à la question... Bah, dont une grande partie doit être liée au Covid, quoi. Ton micro. Pardon. Enfin, je vais parler dans le micro pour que le secrétaire de séance novice puisse noter. Oui, est-ce qu'on a l'obligation par la loi de...
de compenser justement les surcoûts que les entreprises ont rencontrés liés à la crise Covid. Jean-Baptiste ? Oui, pour ma part, j'ai eu des demandes d'entreprises que j'ai refusées et elles sont reparties avec leurs demandes. Voilà, qu'est-ce qui justifie ? Alors, soit il y a une interruption de travaux qui est, signifiée par la communauté d'agglomération, soit les entreprises arrêtent les travaux. Je ne vois pas quelle est notre responsabilité en matière de coûts pour l'entreprise. D'autant plus que là, on pourrait peut-être aussi moucher les entreprises, puisqu'elles ont toutes des problèmes d'approvisionnement. Donc elles vont toutes prendre des retards. Et donc là, moi, je propose qu'on active les pénalités qui sont prévues au marché. Ce qui nous permettra peut-être de compenser les 700 000 euros là, de pertes dans le cadre des protocoles transactionnels. Là, il faut que on puisse justifier légalement de notre responsabilité. Donc, si effectivement il y a une décision de l'agglo pour arrêter les travaux, effectivement, là, on a une responsabilité. Mais sinon, moi, je vois pas en quoi contractuellement on peut invoquer notre responsabilité. Et Ludivine, Sabine, peut-être vous avez des compléments par rapport à ce que l'on vient de se dire, d'explications ou pas, et sur la fermeté réclamée par Jean-Baptiste. Monsieur le secrétaire. Oui, sur les 17 demandes d'indemnisation, monsieur Dira l'a rappelé. On n'en a retenu que 4 de mémoire. À chaque fois, en effet, on étudie la légitimité de la demande. Et il y avait une circulaire en 2020 qui a défini le cadre d'indemnisation pour les entreprises. Donc, on ne va jamais au-delà de ce qu'il est dû à l'entreprise. Voilà. Donc, quand on parle de négociation, c'est qu'en effet, ils ont montré le préjudice subi, mais qui en général est directement lié aux effets Covid, et pour lesquels nous avions un cadre d'indemnisation par une circulaire du Premier ministre, elle-même prise en application d'un décret de 2020. Est-ce que ça répond précisément à ta question, je pense, Alain ? Ah oui, ça répond à mes questions, sauf qu'effectivement, moi je rejoins Jean-Baptiste dans nos communes. Enfin, je ne sais pas quelles sont les pratiques dans l'ensemble des communes de l'agglo, mais enfin, moi j'ai versé aucune indemnisation à aucune entreprise, et d'ailleurs, ils sont bien gardés de me le demander. Voilà, est-ce que c'est des pratiques qui existent ailleurs, ou est-ce qu'il n'y a que GPS qui s'appuie sur cette circulaire Si elle existe, il y a sûrement une raison pour laquelle elle existe, mais bon, je suis un peu étonné de la pratique, parce que bon, les entreprises ont été soutenues par l'État également, avec des mesures de chômage partiel, etc. Je ne pense pas que ce soit à nous d'indemniser les entreprises. Ok. 4 sur 17, si j'ai bien compris, c'est ça ? Yann, un complément ? Je sens que tu as envie de parler. Non, peut-être pour compléter ce que disait Sabine et rebondir sur ce que disait Monsieur Osé, c'est aussi le volume des chantiers hein, qu'il faut prendre en compte. On parle de surcouf, d'un groupe scolaire de plusieurs millions d'euros. Donc forcément, l'application des mesures sanitaires, elle pèse particulièrement. Et peut-être ce qu'il faut aussi indiquer, c'est que le premier effet immédiat de la crise, c'est-à-dire les mesures applicables au personnel présent sur le chantier. On vit aujourd'hui... parle sous le contrôle des collègues, le deuxième effet, et vous le vivez sans doute aussi dans les communes, qui est celui lié au renchérissement des matières premières et à leur manque de disponibilité. Et ça, on le vit très concrètement sur les chantiers en cours et sans doute le vivra-t-on sur les chantiers à venir. Ok, d'autres interventions ? Non ? Bon. Donc je soumets cette délibération qui était donc
la deuxième délibération relative au groupe scolaire Saint-Exupéry. Là, voilà. La délibération numéro 20, bah oui, c'est écrit. Abstention, opposition, je vous remercie. Délégation de maîtrise d'ouvrage à conclure avec Saint-Germain-les-Corbeilles pour la construction d'un terrain synthétique au stade municipal. Carl. Donc là, cette fois-ci, nous sommes à Saint-Germain-les-Corbeilles. Ce stade a été retenu concernant les futures organisations des Jeux Olympiques pour un centre d'entraînement. En revanche, mais il va falloir améliorer le site pour permettre... Oui. De rugby, oui. J'ai dit autre chose, non, deux. Oui, la Coupe du Monde de rugby. Mais il a été retenu par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques aussi, pour Paris 2024, comme centre de préparation aux Jeux Olympiques pour le rugby à 7, donc sous réserve de travaux qui seront réalisés. Donc il vous est proposé d'opérer ce soir une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à conclure avec la commune de Saint-Germain-les-Corbeilles. Le montant prévisionnel total de l'opération s'élève à 2 154 468 € hors taxes. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage déléguée. La communauté d'agglomération sera remboursée des dépenses qu'elle aura engagées au vu des factures et à la hauteur maximum du montant de l'enveloppe qui a été fixée. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver cette convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à conclure à titre gratuit avec la commune de Saint-Germain-les-Corbeilles. Voilà, merci Carl. Oui, Lynn. Une question par curiosité. Le montant est élevé. Il sera pris en charge par quel type d'organisme ? Là, la délibération, c'est pour confier la maîtrise d'ouvrage à l'agglomération. Nous avons répondu à l'appel à projet, alors à la fois de la Fédération française du rugby et aussi, alors c'est pas le CIO pour les JOP, mais c'est une asso qui tourne autour des JOP. Des JOP et donc un certain nombre d'établissements, d'équipements, donc par exemple la piscine de Corbeil-Essonne pour y faire des opérations de natation d'accueillir des équipes lors des JOP 2024 relatives à la natation, et à chaque fois il fallait adosser une offre de restauration, une offre d'hébergement, une offre santé. On a fait tout ce travail-là, et puis les retours nous arrivent progressivement. Pour ce qui concerne le rugby, nous avons été retenus, pas encore de manière définitive, mais retenus. Donc si nous n'étions pas retenus de manière définitive, la question deviendrait une question uniquement Saint-Germain-les-Corbeilles. Si nous sommes retenus de manière définitive, il y a deux équipements que lors d'une prochaine délibération et dans le cadre de la PPI que nous n'avons pas encore validé qui seront poussés. C'est le gymnase à l'IND sur Comble-la-Ville, puisqu'il match une équipe qui fait partie du top 12 de gymnastique et qui a organisé ce week-end un très beau tournoi de gymnastique. Donc on est en plein de la notion d'héritage. Et puis cet équipement de rugby, puisque doit venir s'y implanter une école de rugby. Alors une école, quand on dit une école, c'est pour les petits, les moins de 11 ans, puisque c'est une volonté de la Fédération française de rugby. Le financement de l'agglomération ne peut être qu'un financement complémentaire. Il est totalement acté à l'IND, puisque là, avec le conseil départemental de Seine-et-Marne, avec la commune de Comble-la-Ville, qui en assure la maîtrise d'ouvrage, on est calé. En revanche, on ne l'est pas encore sur le plan du financement sur ce stade-là, puisqu'on attend une partie du financement directement par la Fédération française de rugby. Donc si jamais la Fédération française de rugby disait c'est zéro, là on serait bien embêté, parce que l'agglo n'est pas en capacité de financer la totalité de cet équipement. Le montant de la participation de l'agglomération sur les deux équipements sera d'1 million pour chaque équipement. C'est 800 000 euros très précisément sur l'équipement
pour l'IND et puis 200 000 euros pour les agrès, je crois. Sur l'équipement de rugby, ça n'est évidemment pas défini puisqu'on ne connaît pas aujourd'hui la réponse de la Fédération française de rugby. Comment ? Oui, 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 oui. Ben oui, oui, oui. C'est une amicale pression que nous leur mettons. Et je pense que depuis samedi, ils doivent être enthousiastes, donc c'est le bon moment de leur demander de leur rendre des sous. Voilà. Sur cette délibération, pas de remarques, abstention, opposition. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit d'une délibération voilà, relative à la vidéoprotection. C'est une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à conclure avec la commune de Saint-Try. Et j'en profite puisque voilà, je viens de lire ton mail, Patrick, pour te remercier, puisque nous étions invités au conseil de juridiction du tribunal de Melun, ce qui est une première, parce que je crois que rarement les élus ont été invités pour parler justice, c'était bien cela, et tu nous représentais, et les sujets qui étaient abordés, c'est la place de la justice au sein de notre société, ça fait écho aux maisons de la justice et du droit qu'on évoquait tout à l'heure, l'amélioration de la compréhension de l'activité judiciaire par les citoyens, vaste chantier, et une meilleure qualité des services rendus et du fonctionnement de la justice. Voilà, donc tu auras le loisir de nous faire, le moment venu, un retour sur tout cela, et j'ai vu que tu étais intervenu sur plein de sujets, qui sont des sujets, évidemment, qui concernent nos habitants. Donc merci à toi. Voilà. Si tu souhaites en dire deux mots, bien évidemment, tu peux profiter de la délibération pour en dire deux mots, sinon tu peux nous dire quelques mots sur cette délibération de vidéoprotection. Merci, Président. Merci, Michel. Effectivement, hier, c'était une réunion qui était très intéressante parce qu'il n'y avait que des professionnels de la justice, quasiment, hein, soit avocat, donc la présidente du tribunal, il y avait Madame la procureure, la présidente des greffiers, etc. Il y a eu une intervention également sur les partenaires du directeur de l'hôpital de donc sud, c'est pas sud francilien, hein, puisque c'est côté Melun, là, mais on est venu... Saint-Épaule. Voilà. Je cherchais le mot. Merci. Donc, globalement, il y a eu à peu près une heure et demie d'intervention de la part de ces professionnels ou assimilés. Et puis ensuite, il y a une personne qui est intervenue en disant que, des fois, les élus n'étaient pas forcément partie prenante quand il y avait des rappels à l'ordre, des choses comme ça. Donc, c'est là que j'ai demandé une intervention. J'ai pas attendu la fin, finalement. J'ai mis en avant le fait qu'il y avait de très bonnes relations entre Grand Paris Sud et puis la présidente du tribunal et la procureure de la République de Seine-et-Marne. Et puis j'ai parlé des personnes, parce que la clé de la réussite, on sait que c'est le travail en commun. Et j'avais cité Saint-Exupéry en disant que la plus grande des fonctions, c'est d'unir les hommes et les femmes, naturellement. Hein, car il n'est autre luxe véritable que celui de la relation humaine. Et voilà, j'ai mis à l'honneur notre président... sans caresser dans le sens du poil, puisque après on va parler de Saint-Try-sur-Seine. Non, mais d'une manière plus sérieuse, cette collaboration est très appréciée, je tiens à le souligner. Hein, c'est vraiment ce qui a été mis en avant de la part de la présidente. Et puis ensuite, parler plus honnêtement pour certains de la vraie problématique qui est celle de l'autorité, c'est-à-dire que l'autorité du maire est bafouée. Qu'aujourd'hui, être maire, c'est être au centre de tout, puisque le maire est responsable de tout. Et avant même d'être condamné, il est coupable. J'ai mis en avant qu'il nous fallait une justice protectrice, que c'était vraiment le premier point attendu par la plupart des maires avec qui j'ai discuté. Il nous fallait une justice protectrice. Et puis ensuite, j'ai parlé de l'évolution de la société. On va parler de cyberattaque tout à l'heure. En précisant que la société va vite, la méchanceté avec, et quand il faut trouver des prophylaxies à certaines pathologies, c'est pas évident. Ben pour nous, c'est pareil. Disposer d'une caisse à outils, ce qu'on appelle une boîte à idées, c'est quand même pas mal. Donc il y a plusieurs choses, j'ai cité 5 points que les maires pouvaient rencontrer comme problématique. Et puis naturellement, c'est pas le tout de dire que ça va pas, mais il faut aussi être force de proposition. S'agissant de professionnels, eh bien, il y a des pistes qui
ont été évoquées. Moi, j'ai parlé notamment des problèmes d'urbanisme, puisque souvent, l'urbanisme est au cœur de tous les problèmes. Donc, le fait d'apporter des informations d'une manière synthétique sur ce qu'il faut retenir en matière d'urbanisme, faire de la formation de l'information, voilà, c'est quelque chose qu'a retenu la présidente du tribunal. Et il y a d'autres axes, hein, avec la veille juridique, etc., surtout pour les petites communes où on n'a pas les moyens d'avoir des personnels forcément compétents dans tel ou tel domaine, bien qu'on puisse s'appuyer aussi sur le Grand Paris Sud. Bref, c'était plutôt très constructif, avec une ouverture qui est intéressante. Enfin, moi, je leur ai dit que ce côté laxiste, hein, puisque c'est le ressenti quand même, hein, que beaucoup d'entre nous avons de la part de, enfin, à l'égard de la justice, eh bien, ils ont évoqué aussi leurs problèmes d'organisation, problèmes financiers naturellement, problèmes humains et temporels. Voilà, parce que souvent la justice ne dispose pas des moyens que nous on pourrait imaginer, et ils n'ont même pas de lien d'un service à un autre. D'un point de vue informatique, ils ont beaucoup, beaucoup de retard. Voilà, globalement, ce qui a pu être dit, sans trop rentrer dans le détail, mais une rencontre pour le moins très intéressante, parce qu'on apporte toujours un jugement sur les autres sans pour autant connaître parfaitement les problèmes qu'ils rencontrent. Et c'était non seulement un lieu d'échange, mais aussi de découverte pour moi par rapport aux difficultés qu'ils ont au quotidien. Et c'est pas simple. Voilà. Merci, Président. Merci Patrick de ce compte-rendu et aussi de ta participation à cette belle initiative de notre justice. Alors peut-être sur la délibération, deux mots. Oui. Je ne préfère pas prendre part au vote, hein, du fait qu'il s'agit de la commune de Saint-Try. Je ne pense pas. Bon. Alors la vidéoprotection, OK. Bah, ce sera un plaisir. Bon. Alors, afin de lutter contre la délinquance et toute forme d'incivilité, malheureusement, on a vécu des choses sur Saint-Try qui ont été, pour d'autres, vécues de la même manière ou différemment, peu importe, hein. Mais merci encore à tous ceux qui étaient présents le 16 janvier dernier. La commune de Saint-Try-sur-Seine a donc décidé de déployer 44 caméras. Sur les 44 caméras de vidéoprotection, nous en avons 22 prévues sur la voie publique et 22 sur les édifices publics, pour mémoire, qui ont été tagués devant un édifice public, des voitures incendiées. Donc dans ce cadre, la commune a effectué l'ensemble des démarches administratives, notamment d'études d'implantation, hein, des autorisations préfectorales, la maquette budgétaire, la demande de subvention au titre du Fonds interministériel de sécurité et de prévention de la délinquance. Le FIPD nous a... Donc on a eu une réponse de la préfecture en fin de période de vacances estivales, et avec une participation de l'ordre de 33%, hein, en matière de subvention de l'État. Au regard des compétences exercées par la communauté d'agglomération de communes Grand Paris Sud, en matière de vidéoprotection et de l'accord cadre mono-attributaire, hein, portant sur l'extension, la rénovation et l'entretien de la vidéoprotection qu'elle a conclu avec le groupement SPI Network, il est proposé que la commune délègue la maîtrise d'ouvrage de cette opération relative aux travaux de déploiement des caméras de vidéoprotection sur le territoire communal et leur raccordement, et ça c'est très important, au CSUI situé à Corbeil-Essonne, donc qui relève de la compétence de la communauté d'agglo, afin notamment d'engager les travaux le plus rapidement possible, puisque une fois l'autorisation donnée par l'État, avec le FIPD accordé, nous ne disposons que de 6 mois. Pour mémoire, hein, sachez que notre responsable financière est arrivée seulement au mois de juin, puisqu'il n'y avait plus de cadre sur la commune de Saint-Try-sur-Seine, si ce n'est une responsable des RH. Et pour la DGS, je rappelle qu'elle est en burn-out depuis 2017. Donc plus de cadre du tout dans tous les domaines. Ce n'était pas simple pour nous de pouvoir envisager un marché public. Donc conformément aux dispositions des articles L2422-5 et suivants du Code de la commande publique, il y a donc lieu de formaliser par convention les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération Grand Paris Sud exercera le mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage confié à la commune de Saint-Try-sur-Seine en son nom et pour son compte.
pour les travaux de déploiement de la vidéoprotection sur le territoire communal. Cette convention de délégation de maîtrise d'ouvrage a pour objet de définir les conditions juridiques, administratives et techniques dans lesquelles les travaux seront réalisés, ainsi que, bien sûr, l'enveloppe financière nécessaire à ces travaux. Donc le montant prévisionnel des travaux, donc objet de la délégation d'ouvrage, est estimé à 350 510 hors taxes, soit 420 612 TTC. Sur le plan typologie, il y aura 29 caméras dôme, 19 caméras fixes et 2 caméras VPI, c'est-à-dire visualisation de plaques d'immatriculation. Donc la commune de Saint-Try-sur-Seine, naturellement, remboursera intégralement à la communauté d'agglomération de communes la somme des travaux. La communauté d'agglomération Grand Paris-Sud ne percevra aucune rémunération au titre des missions de la maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre de cette convention. Aussi, il est proposé au bureau communautaire d'approuver la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à conclure à titre gracieux avec la commune de Saint-Try-sur-Seine pour la réalisation des travaux de déploiement et de raccordement au CSUI des différentes caméras de vidéoprotection précédemment citées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Patrick pour cette présentation complète. Est-ce qu'elle appelle des remarques, des questionnements de votre part ? Je la soumets donc à votre approbation, abstention, opposition. Je vous remercie. Délibération suivante. Carl, une superposition d'affectation du domaine public. C'est assez incroyable. Oui, donc là, nous sommes sur les l'aqueduc de la Vanne, du Loing, et donc qui passe par Grigny. Donc ces aqueducs amènent l'eau sur la commune de Paris. Hein, donc ce qui passe en dessous, c'est de l'eau potable qui est gérée par l'eau de Paris. Et donc nous sommes en 2021. Il vous est proposé donc d'approuver cette convention de superposition d'affectation du domaine public à conclure entre la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et l'eau de Paris et la commune de Grigny. Mais il y a eu une première convention en 2005 qui était établie entre l'eau de Paris et le département de l'Essonne pour définir les conditions générales de mise à disposition de cette emprise des aqueducs. En 2007, il y a eu une autre convention avec le département et cette fois-ci la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne qui avait signé donc une convention pour l'utilisation de ces aqueducs de la Vanne. En 2016, il y a eu donc suite à la dissolution de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne une nouvelle gestion et l'entretien des promenades qui avait été repris par la commune de Grigny et par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Et cette fois-ci, donc en 2013, les aqueducs ont été intégrés dans le schéma régional de cohérence écologique de la région Île-de-France. Et c'est sur cette base que l'eau de Paris et la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud et la communauté de Grigny œuvrent pour l'entretien. L'eau de Paris, elle, va intervenir dans les tréfonds de la totalité des aqueducs pour assurer la potabilité de cette eau. Et en surface, nous allons, avec Grand Paris Sud et la commune de Grigny, entretenir pratiquement 58 000 m² de surface pour permettre la circulation des piétons et des cyclistes. Donc pour ceux qui connaissent Grigny, nous sommes à la Mare aux Moines, à la Ferme Neuve, à l'Écholet et à l'Orme Pomponne. Donc c'est les aqueducs traversent ces différents quartiers de la ville. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver cette convention qui permettra donc à la communauté d'agglomération et à Grigny d'entretenir la promenade qui a été aménagée sur les aqueducs de la Vanne du Loing et qui passe par Grigny. Merci Carl pour cette présentation poétique de la délibération. Est-ce qu'elle appelle des remarques de votre part ? Je n'en vois pas. Abstention, proposition. Délibération suivante. Cherline, voilà, c'est la cérémonie des 91 heures. Oui, c'est une cérémonie organisée par le MEDEF Essonne donc chaque année. Et le MEDEF sollicite par le biais d'une convention de partenariat une participation financière de l'agglomération à hauteur de 6 000 euros. 15 prix seront décernés, dont 2 au moins donc à 2 entreprises du territoire de Grand Paris Sud, la Seine-et-Marne étant également concernée. Donc 6 000 euros pour la cérémonie des 91 d'or. Très bien, merci Lynn. Je serais intéressé par savoir si tu y vas. Oui.
On verra. Oui. Je ne sais pas encore. Qu'on se cause alors. C'est ça. Voilà, sur cette délibération, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Délibération suivante, celle de Martine, tu peux la prendre. Oui, également. Chaque année, voilà, on doit délibérer sur les dérogations au repos dominical pour les commerces. Donc cette année, il y a 10 villes de notre agglomération qui ont délibéré pour donc porter la dérogation pour certaines villes à 9 dimanches, 6 dimanches ou 12. Voilà. Donc il faut que le PCI délibère également en ce sens, ce qui vous est proposé ce soir. Merci Lynn. Pas de remarques, abstention, opposition. Je vous remercie. Délibération suivante, nous passons dans la transition sociale et écologique et c'est une demande de subvention auprès de l'ADEME. Philippe. Eh bien voilà, Monsieur le Président, vous avez absolument tout dit. C'est pour récupérer 350 000 euros en deux montants pour un dispositif. Nous avons été ciblés par le ministère de la transition écologique parce que nous avons déjà engagé pas mal de choses sur le sujet, donc un dispositif d'une durée de vie de 4 ans qui s'appuie sur deux référentiels méthodologiques, le climat air énergie dit Citergi que nous connaissons bien à Grand Paris Sud et qui avait été porté y compris par des agglomérations avant notre fusion, et là un référentiel sur l'économie circulaire. Très rapidement, une première phase de 18 mois qui permettra à notre collectivité d'organiser une gouvernance interne et externe pour la transition en faisant un état des lieux de nos politiques sur climat, air et économie circulaire. Première phase qui aboutira à un plan d'action et une deuxième phase qui permettra de mettre en œuvre et suivre le programme d'action avec réserver des audits enfin pour évaluer ce que nous avons fait. Une première phase avec une aide forfaitaire de 75 000 euros et les 275 000 qui fait 350 000 à la fin de la seconde phase, c'est-à-dire dans 4 ans. Oui, non, non. Merci Philippe. Voilà, bon, c'est une recette. Abstention, opposition, je vous remercie. Délibération suivante. Carl, les modalités d'intervention en phase travaux d'un site ICPE. C'est moi qui l'ai en fait. Parce que c'est une servitude sur un réseau de transport d'eau potable, le MIL, on l'appelle comme ça entre nous, le MIL. Nous sommes sur la commune de Bondoufle, dans la ZAC des portes de Bondoufle. Une entreprise souhaite s'installer, le statut d'installation classé pour la protection de l'environnement. Et sur ce terrain, il y a notre gros tuyau MIL qui transporte de l'eau potable. Et donc, pour assurer le bon entretien, le bon usage, pour ne pas rompre les canalisations, voilà ce qu'on appelle une zone non aedificandi et non sylvandi pour les arbres. C'est classe. Il y a une convention à passer avec le futur propriétaire pour que nous puissions intervenir 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24 en cas de pépin. Merci, merci Philippe. Abstention, opposition, je vous remercie. Délibération suivante, deux délibérations relatives à l'eau, la 28 et la 29. Deux délibérations qui ont le même objet, qui portent sur des territoires différents suite aux décisions de ces communes d'intégrer la régie publique de l'eau. Ces deux conventions visent à changer quelque peu les modèles de recouvrement et de reversement de la redevance assainissement à conclure avec la société Suez Eau France. On anticipe un peu, on veut clarifier la facture de l'eau, et donc cette convention a pour objet de fixer la perception par la régie de la part délégataire de la redevance assainissement, le reversement de cette part à Suez Eau France avec un calendrier, la rémunération de la régie de l'eau pour le recouvrement et le reversement de ces redevances, la facturation, etc., etc. La première délibération porte sur la commune de Coudray-Monceau et la seconde
même copier-coller, pour le dire de cette manière-là, porte sur les communes de Cesson, Lieu-Saint, Nandy, Savigny-le-Temple et vers Saint-Denis. Merci Philippe. Je vous propose un vote groupé sur la 28 et la 29 avec Olivier qui ne prend pas part au vote pour des raisons que l'on connaît bien maintenant. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Délibération suivante de la 30 à la 38. Il s'agit des comptes rendus annuels des concessions d'aménagement. C'est des documents qui sont extrêmement intéressants. Je vous invite vraiment à les lire attentivement. Je dis ça sans plaisanter, parce que je pense qu'en les lisant, on voit le périmètre, on voit le modèle économique de chacune des opérations. Par exemple, la première sur laquelle je suis, on est sur des sur le bois Briard, sur un peu moins de 13 millions d'euros de recettes et donc quelque part de dépenses, avec voilà, un léger déficit pris en charge par l'agglomération. Celle d'après, elle est équilibrée, voire même un peu bénéficiaire. Bref, je vous invite vraiment à les lire parce qu'elles sont riches d'enseignements sur l'aménagement. Mais je vous propose, si vous en êtes d'accord, de faire un vote groupé de la 30 à la 38, puisqu'il s'agit de rapports et de bilan prévisionnel, enfin de compte rendu annuel et de bilan prévisionnel, et donc voilà. Non, Philippe, tu veux qu'on les... Comme, est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. Bien. Donc je soumets donc de la 30 à la 38 à votre approbation. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Et je vous remercie. Voilà, Pierre. Essaye de faire aussi bien en termes de délai sur la 39. L'activité, ça peut aller assez vite aussi. Hein. Très bien. Donc, il s'agit du rapport d'activité sur le réseau de chauffage de Bondouf. Donc, si quelqu'un veut ce que j'ai dit, l'administration m'a fait un cadeau, elle m'a imprimé le rapport, donc si quelqu'un le veut à la fin. Il s'agit d'un marché de crème. CREM, conception, réalisation, exploitation, maintenance. La conception, réalisation, ça a été fait. Maintenant, on est en période d'exploitation, maintenance, jusqu'en 2024. C'est un petit réseau de chaleur qui alimente la ZAC de Bondouf. Elle utilise une chaudière bois qui a démarré en 2019, et puis le gaz en secours et en appoint. Donc là, il y a beaucoup d'ENR dans ce réseau de chaleur, d'énergie renouvelable. Enfin, beaucoup. Aujourd'hui, c'est 66%, parce qu'il y a eu quelques soucis sur l'exploitation de la chaudière bois. On devrait monter à 75% à terme. Du coup, on est éligible à la TVA réduite à 5,5%, qui s'applique aux réseaux de chaleur qui ont plus que 50% d'ENR dans leur chaleur. Le prix moyen de la chaleur est de 101,55 € TTC par mégawattheure. Ça peut paraître élevé, c'est au-dessus du prix facial du gaz. Le gaz, il coûte dans les 80 € à peu près le mégawattheure, donc on peut penser que c'est élevé. Par contre, ce qu'il n'y a pas dans la facture gaz, c'est la facture d'entretien et le changement des chaudières tous les 20 ou 25 ans. Et si on compte ces deux postes supplémentaires qu'on ne voit pas sur sa facture, les estimations sont plutôt qu'on est aux alentours de 120 à 140 euros du mégawattheure. Donc, les habitants peuvent des fois se dire 101 euros, c'est plus cher que le gaz. Mais en fait, le message qu'il faut passer, c'est que non, quand on compte tout, ça reste moins cher que le gaz qui leur coûte en réalité dans les 120 à 140 euros du mégawattheure. Voilà ce que j'avais à dire sur le réseau de Bondouf. Ah si, il y a eu aussi une grosse fuite d'eau quand même qui a été causée par un dommage ouvrage. Et là, c'est peu commun parce qu'en fait, il y a eu une intrusion qui a causé ce dommage et donc cette fuite d'eau. Là, ça, c'est peu courant. Voilà pour le RCE de Bondouf. On soumet au vote? Oui, oui, si tu... bah, oui, 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 Pierre. À 101 euros, à 101 euros on y va. Hein. Donc, abstention, opposition. Merci. La suivante. La 40, c'est sur les réseaux de chaleur urbaine de Grand Paris Sud Énergie Positive, également appelé GPCEP, qui
décerne les villes d'Évry et de Courcouronnes. Donc là, c'est un beaucoup plus gros réseau. On était à 5 gigawattheures par an sur celui de Bondouf. Là, c'est 220 gigawattheures par an. Le réseau est en DSP, une DSP qui a été signée en 2017 jusqu'à 2042. Alors, on a moins consommé en 2020 du fait d'un hiver qui a été plus rigoureux. L'effet marquant, c'est que le réseau a été raccordé à l'incinérateur de Vert-le-Grand et que du coup, on récupère la chaleur qui alimente 55% du réseau de chaleur. Alors, c'est pas tout à fait 55% parce que la première année, il y a eu des difficultés de livraison de chaleur de la part du CITD et on était plutôt sur 2020 à 51 ou 52%. Le reste, c'est 29% de cogénération. La cogénération, c'est une manière de générer de l'électricité avec du gaz et d'en récupérer la chaleur fatale. Donc c'est du gaz, mais un peu plus vertueux que si c'était juste une chaudière gaz. Et 16% de chaleur au gaz pur. Comme on est au-dessus, pas de beaucoup, mais comme on est au-dessus des 50%, le réseau est éligible à la TVA réduite à 5,5%. Il y a eu des grosses fuites d'eau parce que pour passer aux énergies renouvelables, on a été obligé de passer d'un transport énergétique sous forme de vapeur à un transport énergétique sous forme d'eau liquide. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement basse pression. Et du coup, quand on passe de la vapeur à l'eau, c'est plus difficile de détecter les fuites parce que les fuites de vapeur, on les voit. Donc il y avait en 2019 énormément de fuites d'eau. En 2020, il y en a toujours beaucoup. Il y en a deux fois moins qu'en 2019, mais c'est toujours beaucoup. Le prix moyen de la chaleur est à 71,58 TTC. On va dire que c'est dans les habitudes au vu de la densité urbaine qu'il dessert, mais on sent bien quand même qu'il y a des marges qu'il y aurait des marges pour baisser le coût. Voilà. La progression du nombre d'abonnés, c'est un paramètre essentiel parce que plus on augmente les raccordements et plus on sera nombreux et plus le coût sera bas. Et au niveau de la progression, eh bien, en 2020, ont été raccordés le quartier du Bras de Fer, mais ça reste quand même insuffisant au vu des objectifs qui sont fixés. Donc il y a des axes d'extension du réseau et on va maintenir l'ambition là-dessus. Voilà. Merci Pierre. Donc 71 euros là. Abstention, opposition, je vous remercie. La suivante. Juste, je précise quand même, on pourrait penser qu'il y a une injustice dans les prix de chaleur, mais c'est aussi dû à la densité urbaine. Hein. Le réseau de Bondouf est beaucoup moins dense, et donc ça fait aussi les différences de prix. 41, il s'agit du rapport d'activité Enedis sur la concession de services publics qui est accordée sur les villes de Morsan, Saint-Pierre-du-Perray, Tigerie et Saint-Try pour la distribution d'électricité. C'est un contrat de concession qui date de 1995 jusqu'à 2025. Alors, la longueur du réseau a augmenté légèrement. Elle est de 102 km sur le réseau HTA et 122 sur le réseau basse tension. Le taux d'enfouissement est élevé par rapport à la moyenne nationale, 94% et 87%. La durée de coupure est de 43 minutes par habitant sur l'année 2020. C'est beaucoup pour ce réseau sur l'année 2020, parce qu'avant on était à beaucoup moins, je crois 22 minutes. Et c'est beaucoup parce qu'il y a eu un gros incident qui a abîmé beaucoup de câbles. Mais ça reste inférieur à la moyenne nationale qui est de 58 minutes hors incident exceptionnel. Donc c'est beaucoup par rapport à l'an dernier, ça reste faible quand même par rapport à la moyenne nationale. La qualité de la tension délivrée aux clients est très bonne, il n'y a eu aucun client qui a subi des variations de tension. Sur le compte d'exploitation, on a 5,2 millions, alors non, c'est pas on a, c'est le délégataire a 5,2 millions d'euros de recettes, 4,2 millions d'euros de charges, ça lui fait 1 euro de bénéfice, qui en fait contribue à la péréquation nationale. Et la valeur nette du patrimoine qui nous appartient, qui appartient à la collectivité, est de 11,4 millions d'euros. Je vous invite à en délibérer. Merci Pierre. Pas de remarques. Abstention, opposition. Voilà, on finit par le gaz. Et on termine par le gaz. Alors, on aurait pu faire un vote groupé, oui, j'aurais pu y penser. Merci Philippe.
Donc, il s'agit du rapport d'activité de plusieurs contrats de concession qui couvrent 16 villes de Grand Paris Sud et qui se terminaient à IENT fin 2020, parce que vous vous rappelez que l'an dernier, on a voté un nouveau contrat de concession qui prend effet sur 2021 à 2051. Et en 2051, j'aurai 69 ans. Donc, on ne sera pas forcément tous dans cette assemblée. Sur 2020, donc l'ancien contrat de concession, pas le nouveau. Bah, même moi, j'y serais plus. Là. Je pense que j'aurais arrêté la politique à cet âge-là. Alors, et je voulais vexer personne. Hein. Sur 2021, sur 2020, on note que pour la dernière année de concession, il y a eu beaucoup d'incidents. Les incidents ont beaucoup augmenté. Ils sont passés de 706 à 1143. Les dépannages aussi. Et en fait, c'est dû à l'installation des compteurs Gaspard, parce que quand on installe, bah, il y a toujours une probabilité de mal visser un écrou. Et donc, il y a eu beaucoup de fuites de gaz, qui aucune n'a donné lieu à une explosion ou un incident grave. Donc ça, c'est la conséquence du déploiement. Mais il n'y a pas eu d'effet grave, hormis ces fuites qui ont été des incidents. Il y a une baisse globale des consommations de gaz sur 2020. C'est dû au Covid et à la fermeture de certaines entreprises. Le compte d'exploitation, donc là aussi on est contributeur à la péréquation, on a 13,7 millions d'euros de recettes, 11,6 de dépenses, et quand je dis on, c'est le délégataire A, et donc le délégataire a 2,1 millions d'euros qui contribuent à la péréquation nationale. Concession de service public nous rapporte une redevance d'exploitation de 111 000 euros. Nous prenons. Pas de remarques, abstentions, propositions. Merci Pierre pour ces présentations imagées. Julien, allez, les parcs de stationnement. C'est moins imagé. Sur la présentation du rapport Indigo, qui était, je vous le rappelle, le dernier rapport de la DSP qui s'est terminé le 31 décembre dernier, qui porte sur les 7 parcs de stationnement sur la commune d'Évry-Courcouronne, où je le rappelle parce que je sais que certains collègues aiment bien qu'on les cite, nous avons le parking patinoire, le parking terrasse, passage clos, passage public, Sabatier, bras de fer et hôtel d'agglomération, ce qui représente 3341 places sur la ville d'Évry. Donc la DSP s'est terminée, il y a eu un petit contrat de gestion de 6 mois qui avait été confié à Indigo jusqu'à la nouvelle DSP qui a commencé le 1er juillet dernier et qui a été confié à EFIA. Très rapidement et sans surprise, un niveau de fréquentation en baisse forcément du fait de la crise sanitaire l'an passé. Donc on a une baisse d'un peu plus de 23% par rapport à 2019. Une baisse également des abonnements, sauf sur un parking qui est celui de l'hôtel d'agglomération. Mais c'est principalement dû aux abonnements sur le carré Haussmann et au foisonnement des badges de Grand Paris Sud. Et aussi une baisse sur les forfaits étudiants. Je vous rappelle qu'on a un abonnement et un tarif spécial pour les étudiants qui n'ont qu'un reste à charge de 20 euros par mois. Mais là aussi une baisse de manière assez logique. Je vais peut-être pas lire tous les chiffres d'exploitation qui sont bien justifiés dans la note. Juste une petite coquille sur la dotation aux amortissements qui est bien en hausse, mais pas de moins 63%, mais de plus 63%. Il y a un petit moins qui s'est glissé. Juste donner des exemples sur ce qu'a fait Indigo en termes d'investissement. C'est 330 000 euros d'investissement sur l'année 2020 sur les parkings. Ça se répartit sur trois parcs en particulier. 116 000 euros à Sabatier avec des rénovations de maçonnerie, une revisite du système de vidéosurveillance, le remplacement du rideau portail, 127 000 euros sur le parking passage public, là aussi avec des reprises de maçonnerie qu'on retrouve un petit peu sur tous les parcs, puisque ça avait été constaté dans un audit en 2019 que nous avions des problèmes de béton, donc ça a été repris un peu partout. Donc sur passage public, on a aussi de l'éclairage, de la ventilation et des reprises de canalisation. Et sur l'hôtel de l'agglomération, un point important, on a eu des travaux de mise en accessibilité qui se sont terminés. Je rappelle que c'est un point important, l'accessibilité sur nos parcs de stationnement, notamment dans la relation avec Île-de-France Mobilité, pour la labellisation de nos parkings. Voilà sur les grosses dépenses constatées en investissement.
En matière de redevances, la société Indigo a reversé à l'agglomération 35 000 euros. C'est conforme au contrat qui était celui de la DSP précédente qui avait pris son origine en 2007. Et je veux rassurer notre vice-président au budget dès tout de suite. La nouvelle DSP prévoit bien des redevances plus élevées à hauteur de 400 000 euros par an en année pleine. Donc on avait bien pris en compte cet élément lorsqu'on a négocié la nouvelle DSP. Merci Julien pour la précision et pour l'attention que tu portes à suivre l'ensemble de ces dossiers avec beaucoup de talent. Voilà, sur cette délib, pas de remarques, abstention, opposition, je vous remercie. Dominique, rapport d'activité SETHD 2020. Bon, le sujet majeur qui nous préoccupe tous, c'est la fibre, le déploiement de la fibre sur notre territoire. Donc là, c'est le rapport d'activité de CETHD. Donc CETHD, c'est la société qui assure la délégation de services publics pour nous sur les communes de Corbeil, d'Étiole et du Coudray-Monceau et de Soisy. Bon, j'avais préparé environ 3 heures de présentation, je vais peut-être faire plus court. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons beaucoup... Alors, ce qu'il faut retenir sur le réseau, hein, il y a 650 km de réseau qui ont été mis en place, donc 41 km de câbles supplémentaires qui ont été déployés en 2020. Il y a 17 points de nouveaux points de mutualisation qui ont été déployés durant 2020. Toujours est-il que Covage, qui aujourd'hui a été revendu à une société qui s'appelle Atlantique Infrastructure, est très en retard par rapport à tout ce qu'il devait fournir pour ces 4 communes. Donc l'agglomération aujourd'hui a sollicité des compléments par rapport à ce rapport d'activité pour lever certaines réserves. Et le délégataire aujourd'hui n'a pas fourni les éléments escomptés. Donc au titre de l'année 2020, le délégataire a reçu des courriers de pénalité à hauteur de 143 800 euros pour retard dans l'exécution de son contrat et dysfonctionnement dans les flux d'informations interopérateurs. Bon, ce dernier conteste les pénalités. Bon, je vous propose de prendre acte de ce dossier, sachant que j'ai appris dernièrement que Orange comptait se retirer de SETHD, vu la qualité maussade du réseau. Voilà. Qualité assez nulle du réseau. Voilà. Bon, ça, c'est une information off que j'ai eue il y a 10 minutes. Voilà. Et sur. Réagir une fois de plus. Pardon ? Qui va nous obliger à réagir une fois de plus. Alors, Monsieur le Président, pardon, vous allez avoir à signature un courrier pour Cédric O, pour lui rappeler que ça devient catastrophique au niveau des réseaux, parce que là, on a juste un exemple. On a 4 hein, réseaux, donc NXP Fibre pour une partie des communes de l'Essonne, CEHD pour les 4 communes d'anciennement Seine-Essonne. Et ça devient catastrophique au niveau du déploiement de la fibre sur notre territoire. Donc tu as un courrier qui part pour la direction de Cédrico pour une deuxième fois pour qu'il commence à prendre vraiment des dispositions qui vont bien pour que ça s'améliore. Parce que c'est... Alors on a une réunion avec les maires sur... je fais une aparté, hein, avec les maires avec XP Fibre. XP Fibre, c'est SFR hein, qui a déployé sur une partie essonienne, qui nous a expliqué globalement que... comme ils pensaient que dans un an, tout serait résolu parce que le déploiement de la fibre serait complet, donc ils ne forment pas trop bien leurs techniciens. C'est-à-dire qu'un technicien peut être bouché, sans être péjoratif, il y a des bouchés le lundi et vendredi, être technicien de la fibre. Donc en fait, c'est pour ça que la situation est catastrophique pour l'ensemble de nos communes. Enfin, je pense que dans toutes vos communes, vous avez des armoires qui sont ouvertes, des plats de spaghettis qui sont à plein vent, et des habitants qui sont débranchés pour rebrancher d'autres. Donc ça devient vraiment catastrophique à ce niveau-là. Et Covage est un peu responsable sur la partie des 4 communes, Corbeil... Le Coudray, Étiole et Soisy. Ne t'inquiète pas, je te regarde, je ne t'oublie pas. Mais sur les autres communes, hein, Saint-Pierre, Tigerie, Saint-Tri, enfin sur nos territoires, sur le plateau, mais sur votre plateau également, sur la partie Seine-et-Marne, c'est catastrophique. Voilà. Ok, bah continuons à agir. Je n'ai pas envie de donner la parole à Jean-Baptiste, parce que tu veux. Mais vas-y, Jean-Baptiste. D'intervenir. D'autant plus que. Bon, un petit peu pris le taureau par les cornes puisque vendredi dernier j'ai fait une réunion publique, ce qui m'a permis sur le sujet de la fibre optique, hein, parce que ça fait un an et demi que c'est le bazar sur la commune, hein, mais particulièrement sur Soisy, parce qu'on a tous les effets qu'on rencontre ailleurs, plus une arrivée des opérateurs d'envergure nationale au même moment du confinement. Et on avait beaucoup de Soiséens qui avaient attendu le moment de l'arrivée pour prendre un abonnement. Donc on a eu une explosion de la demande, ce qui a occasionné beaucoup de perturbations. Quand je lis le rapport de Covage,
Et au regard de la réunion publique que j'ai organisée, je me dis, il y a un problème. Il y a un problème, déjà, sur les indicateurs. Quand on lit attentivement le rapport, on voit que, finalement, les engagements de Covage, c'est une ligne, sur l'ensemble des 70 pages du rapport. C'est un engagement de 99,5% de disponibilité du réseau. Donc c'est un bel engagement. Ça veut dire que 99,5% du temps, le réseau fonctionne normalement. Le nombre de tickets enregistrés sur l'année 2020, c'est 80. J'avais peut-être 80 tickets dans la salle l'autre soir, là. Alors, un ticket, c'est un incident. Juste, j'ai un voisin, là, ça fait 3 semaines qu'il est déconnecté. Il a déjà demandé 3 tickets. Et à chaque fois, on lui dit, ça marche. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais ça marche. Lui, il constate que ça ne marche pas. Donc, vous voyez, le rétablissement, si on ne va pas demander la validation du client, on peut dire n'importe quoi. Lors de la réunion, j'ai appris qu'il y avait un nombre important de gens qui ne pouvaient pas être raccordés. Ça n'apparaît pas dans le rapport. C'est une anomalie considérable. On ne peut pas raccorder des gens, en plus, en centre-ville. Les voisins sont raccordés, lui, on ne peut pas le raccorder. C'est quand même incroyable, ça. Deuxièmement, j'ai appris que... Alors, on regarde les chiffres, les temps moyens de rétablissement, c'est entre 3h16 et 7h50 selon Donc j'ai une dame, 86 ans, ça fait 6 mois qu'elle n'est plus raccordée. Dans 86 ans, alors j'insiste, elle a un abonnement à la téléassistance. Ça fait 6 mois qu'elle n'a plus le bénéfice du service. Voilà. Mais ça n'apparaît pas dans le rapport. Je pense qu'il faudrait demander des compléments d'information et surtout qu'on puisse avoir un comptage une évaluation des performances extérieures à Covage, parce que Covage là se mesure lui-même. Est-ce que c'est véritablement objectif? C'est pour ça qu'on a demandé des compléments dans le rapport. Ils demandaient Dans les hypothèses, parce que j'avais des gens de bon niveau lors de la réunion. Dans les hypothèses, il faudrait le vérifier. Certains pensent qu'il n'y a pas suffisamment de fibres pour le nombre d'abonnés qui se sont manifestés. Donc il y a un déficit peut-être de fibres. Certains, et je ne dis pas ça en l'air, mais il faudrait vérifier, ont évoqué la qualité médiocre, effectivement, du réseau, selon certains critères. Donc ça, il faudrait peut-être qu'on le vérifie, parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas l'expertise pour dire si le réseau est de bonne ou de mauvaise qualité. En tout cas, c'est ce que tu viens de dire, Orange se désengage parce qu'il considère que le réseau n'est pas de bonne qualité. Voilà, je pense qu'il faudrait... Sans vouloir te couper, oui. Jean-Baptiste, je pense que... Mais je te coupe quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir un compte-rendu de cette réunion? Parce que ça permet d'imager quand même les courriers qu'on envoie à travers des choses très concrètes. Moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse organiser un rendez-vous avec les responsables de Covage. Moi, j'amène... Les gens compétents qui peuvent poser les questions techniques. Comme je t'ai expliqué, c'est plus Covage, c'est maintenant Atlantide, qui, dans un cadre de stock 2, le nouveau mode de déploiement, propose tout un ensemble d'indicateurs, mais il démarre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, on nous met dans bateau. Je crois qu'on se fout un peu de notre. Et je pense qu'il va falloir prendre une position très dure au niveau de GPS, parce que je pense que toutes les communes sont gravement atteints par ce problème. Alors, bien sûr,
on va dire que quand même 90% des habitants sont fibrés, mais les 10% qui ne sont pas fibrés, ça pose des problèmes énormes. Moi, j'ai tout un quartier aujourd'hui, par exemple, sur Saint-Pierre. Ça a été débranché, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai tout un ensemble de rues qui n'ont plus Internet depuis ce matin. Donc, et j'appelle XPFIB. Donc, XPFIB, c'est le fournisseur pour Saint-Pierre-du-Perret, pour Tigerie, Saint-Tri, les communes du plateau de Sénart et Sonne. Il me dit, attendez, on va regarder, on n'a pas le ticket. Donc c'est, là, vraiment, il y a un problème grave de qualité de service qui nous manque aujourd'hui. Et 30 secondes, juste pour parler de Cédric Haut, parce que je lui ai écrit il y a 2 ou 3 mois. J'ai eu une réponse. Hein. Je transmets votre courrier au directeur général des entreprises. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, le directeur général des entreprises, mais je lui ai fait un état de la situation, hein, très argumenté, en expliquant les problèmes de sécurité, etc. Je transmets au directeur général des entreprises. Le gars, j'imagine le collaborateur de cabinet ne comprenait pas ce qu'il y avait dans le courrier que j'ai écrit avec 300 mots. Hein. Il n'y a rien de technique. C'est pas aussi technique que le courrier que tu as envoyé. Donc voilà, bon, c'est un petit peu du foutage de gueule. Hein. On ouvre 2 tickets là. Le nouvel actionnaire, il faut qu'on le rencontre de nouveau. Cédrico est venu à la VICA. La VICA, c'est une association qui regroupe les communes qui font de l'informatique, qui font du numérique. Il semblait dire que tout compte fait, le déploiement de la FIB se passait bien en France, etc. Bon, j'ai trouvé son intervention relativement légère, donc j'étais intervenu. Je pense qu'il faut refaire un courrier. Je pense qu'il faut mobiliser aussi nos députés. Moi, Marie Quévenoux, je l'ai mobilisé pour que ça bouge. Mais là, ça devient vraiment... c'est intolérable pour nous. C'est catastrophique, quoi. Voilà. Et Covache, donc, ils sont sous l'amende. On demande des compléments d'information qu'on n'a pas. Voilà. Bien, je coupe la fibre et je soumets à votre approbation cette délibération. De ce rapport. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie. La délibération suivante, il s'agit du logiciel CardDS, utilisé par l'agglomération, utilisé par bon nombre de communes, et il convient, comme les conventions cadres et les avenants expirent au 31 décembre, de les reconduire jusqu'au 31 décembre 2025. Voilà, sur cette délibération, abstention, opposition, je vous... remercie en 2 mots la 46 et la 47, Jean. En 2 mots, il va falloir que je les choisisse bien, alors. Il y a un vieux et un nouveau. Donc le nouveau, c'est la demande de mutualisation du service de la paie et des carrières que la commune de Lys fait. Le vieux, c'est le renouvellement de la mutualisation que Bondoufle avait faite. Les conditions qui sont données pour la mutualisation de ce service avec la ville de Lys, c'est la compensation par la ville de Lys donc, du personnel. Un personnel de catégorie B équivalent à 50% et un certain nombre de participations, notamment au coût d'investissement pour l'acquisition des licences et le coût annuel à hauteur de 1 858,50 € pour la ville de Lys. Cher. Ça, tu verras avec le maire, je crois. Pas cher, le ticket. Oui. Et quand on n'est pas bridé, on peut avoir un beau ticket. Abstention, opposition sur les 2 délibérations. Remonque, hein. Comment ? Non, je voulais dire un mot. Ah, pardon. Donc j'espère que la commune de Lys mettra moins de temps que la commune de Bondoufle pour faire des émules, puisque la commune de Bondoufle n'en a fait qu'un, qui est la commune de Lys. Non, mais ça montre aussi quand même notre esprit communautaire, et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura d'autres émules. Normalement, c'est une opération qui est gagnant-gagnant. Voilà. Puisque le service de paye se passera à la communauté d'agglomération. Bon, vous avez pu voir que la commune de Lys a un coût de maintenance qui est un peu élevé, qui est nouveau. Ouais, à part, d'après ce que m'a dit Sabine, ça serait compensé par l'accès au logiciel de gestion des carrières dans le futur. Bon, donc on analysera dans le futur. Mais ça montre aussi la confiance qu'on a dans le personnel de la communauté d'agglomération. Donc ce n'est pas que symbolique, c'est une convention qui a tout son intérêt et qui montre l'attachement à la communauté.
Merci Michel, voilà un bel exemple de bloc communal. Voilà, on a délibéré sur les deux délibérations. Hein. 48, création d'un voilà. service... Je reviendrai, si tu le permets, Président, je reviendrai juste sur un mot, parce que c'est quand même à noter. Quand on parle de mutualisation, la mutualisation du service de la paye à Bourdouf s'est faite en 2008, à la fin de ma présidence. Donc on avait déjà l'intention de mutualiser, et on avait déjà confiance en nous, bien évidemment. Bon, je passe à la création du service facturier, c'est ce que tu souhaitais, Président ? Oui, c'est une forme voilà. de la DDFIP. Donc c'était effectivement une demande de la Direction départementale des finances publiques que l'on a pu retrouver sur le rapport de la Cour des comptes, la Cour régionale des comptes, bien évidemment, et qui aurait plusieurs intérêts, notamment dans les intérêts, c'est de faire en sorte que les factures qui sont entre 25 et 26 000 à l'année puissent être réglées dans un délai de 30 jours. À l'heure actuelle, c'est 35,24 jours. Ce point sera également présenté en CT, non pas pour un avis, mais une première discussion vendredi prochain, et sera plutôt mis pour une décision, non pas du CT, mais beaucoup plus approfondie, plutôt dans le premier trimestre 2022. Ce type de service, bien évidemment, déployé par l'État, nécessite un certain nombre de personnels, 10 équivalents temps plein pour le Grand Paris Sud, 2 équivalents temps plein issus de la trésorerie, chacun, suivant l'origine de son corps, conservera bien évidemment son statut d'origine et les règles de vie au travail. Tout ce qui concerne le cadre du travail, ça sera, les locaux seront dans les locaux de GPS, sur Évry, bien évidemment. Le travail s'effectuera dans un environnement dématérialisé et fonctionnera à partir du réseau sécurisé de la DGFiP. Voilà, dans les grandes lignes, vous avez sur votre délibération un certain nombre d'informations sur les missions exactes du service facturier. Merci Jean. Abstention, opposition. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a un comité de pilotage qui se met en place avec la DGFiP pour suivre le fonctionnement du service facturier? Jeanne dit oui. Donc oui. Bonne question, bonne réponse. La délibération peut donc être soumise à votre approbation. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Création de postes aux effectifs? Oui, donc on vous propose la création de 9 postes d'enseignants sur le grade d'assistant ou de professeur. Mais comme vous le savez, ces postes ne sont pas des postes à temps plein, bien évidemment. Et vous avez sur la délibération les durées de travail. En plus, créer également 25 postes, 10 dans la filière administrative, 4 dans la filière technique, 2 dans la filière culturelle, ainsi qu'un certain nombre de postes spécifiques au nombre de 8, un chargé de support et services parc informatique, un poste d'administrateur système et réseau, un poste de directeur cohésion et innovation sociale, un poste de directeur à la maîtrise d'ouvrage du service public, 2 postes de chef de projet de bâtiment, un poste de chef de service ingénierie, déchets et énergie, un poste de chef de projet paysagiste. Merci Jean sur cette délibération. Pas de remarques, abstention, opposition. La dernière délibération, c'est pour toi Patrick, une demande de financement. Oui, en ce qui concerne le parcours de cybersécurité, enfin avant tout le plan de relance et puis après la demande de financement, effectivement. Merci Président. Alors tout le monde sait que pour relancer l'économie qui était affectée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, eh bien il était décidé d'encourager le développement de secteurs d'avenir et notamment dans le cadre du plan de relance, on va en parler après, le parcours de cybersécurité. Donc il y a un fonds de 136 millions d'euros qui était dédié à la cybersécurité sur des fonds pilotés par ce qu'on appelle l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Lancé en avril 2021, ce dispositif prévoit l'accompagnement de plus de 100 nouveaux bénéficiaires par trimestre, et ce, jusqu'à la fin 2022. Donc les collectivités territoriales, naturellement, sont prioritaires pour bénéficier de ce volet cybersécurité, qui vise à élever le niveau de sécurité des systèmes d'information, ce qu'on appelle les SI, des administrations, par la mise en œuvre de parcours de cybersécurité, qui comprend 3 éléments que je vais citer tout de suite après. Donc les enjeux porte sur la sensibilisation de l'organisation face aux risques numériques qui va en grandissant, la maîtrise des accès des systèmes d'information, la sécurisation des données
avec les applications et les services numériques, la sécurisation des équipements de travail, la protection du réseau, la connaissance des vulnérabilités du système d'information et enfin la capacité à détecter et à réagir aux événements de sécurité. Donc la candidature de notre communauté d'agglomération de communes a été déposée le 1er septembre et a été sélectionnée par l'ANSSI le 6 septembre 2021. Donc le deuxième élément important, c'est le fameux parcours de cybersécurité qui est piloté par l'ANSSI et qui se déroule en trois phases, le pré-diagnostic, la phase de diagnostic initial et ensuite la phase d'approfondissement. Pour le pré-diagnostic, en fait, il permet d'évaluer le niveau de cybersécurité et il oriente en fait l'étude sur quatre parcours, ce qu'on appelle parcours fondation, qui tente à amorcer la démarche. Parcours intermédiaire, c'est se préparer à agir. Le parcours avancé, c'est prendre les devants. Et enfin, le parcours renforcé, qui est de prendre une longueur d'avance, toujours anticipée. Sur la phase diagnostique, qui est la deuxième initiale, ce qu'on appelle le pack initial, on a un prestataire de terrain choisi par le bénéficiaire ou proposé par l'ANSSI, qui lui assure les actions de sensibilisation, de formation et d'audit auprès du bénéficiaire pour élaborer ensuite un plan de sécurisation. Et enfin, on a la phase d'approfondissement, ce qu'on appelle le pack relais. Et là, c'est tout simplement la mise en œuvre des mesures identifiées, le cas échéant complémentaires, en tenant compte de la progression de la structure. On en arrive au dernier point, qui est celui de la finance. C'est un dispositif qui se traduit par l'allocation d'un montant forfaitaire de 90 000 euros, qui va se diviser en deux temps. Le premier, c'est un versement immédiat à hauteur de 40 000 euros TTC dès le dépôt de la demande de subvention. Et le second, par virement de 50 000 euros dès l'engagement des travaux des PAC relais. Donc, compte tenu de l'intérêt pour la communauté d'agglomération Grand Paris Sud de bénéficier de ce dispositif d'accompagnement technique et financier aux fins d'élever le niveau de sécurité des systèmes d'information, il est proposé de formaliser cet engagement en approuvant l'inscription de la communauté d'agglomération dans le dispositif parcours de cybersécurité, de solliciter auprès de l'État et plus particulièrement de l'ANSSI l'aide financière forfaitaire de 90 000 euros, de préciser ensuite que le paiement serait échelonné dans un premier temps à hauteur de 40 000 euros dès le dépôt de la demande de subvention et second temps 50 000 euros dès l'engagement des travaux des PAC relais, et enfin d'autoriser le président ou le vice-président ayant délégation dans le domaine concerné à déposer tous les dossiers susceptibles de répondre aux conditions d'éligibilité du parcours cybersécurité auprès de tous les partenaires financiers et à signer tous les documents s'y rapportant, dont la demande de subvention s'y annexée. Merci de votre attention. Merci Patrick. Pas de remarques. Je soumets à votre approbation, abstention, opposition. C'était la dernière délibération. Bonne soirée à toutes et tous.